Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de bien vouloir partager le live. Hier, nous avions un live. Malheureusement, une fois rentré, très fatigué, je me suis endormi. Alors, je vais essayer de profiter de faire ce live aujourd'hui. Excusez-moi un instant. Juste un petit instant. Vous allez m'excuser un petit instant. Désolé. Voilà, je crois que là c'est bon. Bien. Merci. Voilà, là c'est plus clair, c'est plus propre. Voilà. Encore merci d'être nombreux, aussi nombreux comme toujours. Hein. Je sais qu'il se fait très tard et je n'ai pas annoncé le live, donc vraiment désolé pour ceux qui doivent subir ma présence à cette heure-ci alors qu'ils ont du travail demain. Déjà pour commencer, j'aimerais qu'on me rassure si le son est bon. Dites-moi, est-ce que le son est bon? Hein? De bien vouloir me dire hein, si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Donc, de bien vouloir me préciser si le son est bon, s'il vous plaît. Donc, dites-moi, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est assez fluide? Voilà. Ok, bien. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'allons pas... nous allons tout de suite passer au vif du sujet.
L'objectif ici, c'est quoi? C'est qu'il fallait que je fasse ce live que j'ai devait faire hier, mais qui malheureusement, je n'ai pas pu faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà pourquoi je devais le faire. Ce live, il est important. Pourquoi il est important? Pour faire ce live, je voulais vous montrer deux vidéos. Une première vidéo qui n'a rien à voir avec l'Ougabon directement, mais indirectement a tout à voir avec ce que nous vivons au Gabon. C'est une première étape que j'aimerais vous présenter. Pourquoi est-ce que je voudrais vous présenter cette étape en fait? C'est parce qu'en fait, il faut que vous compreniez d'abord ce que j'ai appelé les raisons, les causes lointaines. D'accord? Je voudrais que vous compreniez d'abord, nous regardons ensemble les causes lointaines du problème que nous avons, avant de rentrer dans la cause particulière. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais regarder avec nous, enfin, je vais vous projeter un film. Je vais vous projeter un film et j'aimerais que nous le regardions ensemble, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, excusez-moi. Laissez-moi juste ressortir le film, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de sortir le film. Excusez-moi un instant. Voilà, je l'ai partagé sur ma page tout à l'heure. Donc, pour ceux qui pourront aller le regarder en clair, vous allez sur ma page Starry Rolls Parfait. Vous pourriez avoir le film là-bas. Mais il est très important pour moi de vous le montrer avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons avoir deux vidéos. La première vidéo, c'est celle que je vais vous montrer là tout de suite. Après cette vidéo, nous allons suivre une seconde vidéo. Mais j'aimerais vraiment que vous suivez ce film attentivement, s'il vous plaît. Il est très important. Merci pour ceux qui se connectent maintenant de bien vouloir partager au live. Mais j'aimerais vraiment que vous suivez ce film. C'est très important. C'est nécessaire pour continuer le débat, du moins le point que j'aimerais soulever ce soir. Merci de bien vouloir vous concentrer et rester vraiment attentif à cela. Et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible. Et pourtant, on est tellement appelé malaria. La maladie fait près de 500 000 morts par an, principalement en Afrique. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques. Et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible. Et pourtant, on sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'Artemisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. En Afrique, justement, des chercheurs mènent des études de terrain pour prouver que l'Artemisia est efficace et sans danger. Nous sommes à Kindu, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Munyangi est un jeune chercheur congolais qui prend des risques. Après 3 heures de piste, le docteur Munyangi est accueilli comme l'enfant prodige dans son village natal. Les écoliers font la fête à l'homme qui les débarrassera peut-être de la malaria. Le parcours du docteur Jérôme Munyangi est emblématique des difficultés rencontrées par les Africains qui défendent une médecine adaptée aux conditions du continent. Mon premier contact avec l'Artemisia, suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa, c'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'Artemisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans et avec les plantes, qui traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup et
Le troisième jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le septième jour, je suis parti refaire les examens des laboratoires. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, et c'était mon premier contact avec la plante Artemisia. Pressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'Artemisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très 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 étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit, voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'Artemisia que j'avais amenés au laboratoire ont été confisqués. On a amené ça au bureau du directeur de laboratoire. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Mounyangui refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Deux personnes, donc là on a fait sur 1000 patients, et donc j'ai à ce moment-là commencé à chercher les fonds. Donc ces études ont été financées en fait par des amis, par des fondations, par des entreprises, simplement parce qu'ils croient vraiment qu'une plante peut être la solution pour ce fléau apocalyptique qu'est le palu en Afrique. Une fois le financement acquis, le docteur débute l'étude au Manima. Mille patients porteurs du falciparum sont identifiés. 500 prendront de la tisane d'Artemisia et un médicament placebo. 500 autres, un médicament ACT et une tisane placebo. Et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air, sans même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement. Et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui ? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin chef de zone, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu. Et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achetaient plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit, mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Lorsque les médecins congolais parlent des firmes pharmaceutiques, ils ne font pas référence aux multinationales cotées en bourse. Les pressions s'exercent au niveau provincial. Ce n'est pas Big Pharma qui est à la manœuvre, mais les dépôts pharmaceutiques locaux. Après l'étude, les villageois adoptent la tisane dont ils ont été les cobayes.
J'avais souvent la malaria avant. Mais depuis que j'ai participé à l'étude, je n'ai plus eu la malaria. Moi, j'ai toujours eu la malaria. Mais en prenant la tisane d'Artemisia, je me suis senti beaucoup mieux. En 2016, à l'école du village, une autre expérience a été menée pendant 6 mois. Les enfants boivent la tisane d'Artemisia 2 fois par semaine, à titre préventif. Aucun écolier n'a attrapé la malaria durant cette période. Pour qu'elle soit validée, il faudrait étendre la recherche à des milliers d'écoliers. Nous avons remarqué que la prise de l'Artemisia a diminué l'absentéisme, même les absences étaient terminées. Le docteur Munyangi a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients sous tisane étaient en fait répartis en 2 sous-groupes. 250 prenaient de l'Artemisia annua et les autres de l'Artemisia afra, l'espèce africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine, qui est censée être le principe actif anti-malaria. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les 2 sous-groupes. L'étude du Dr Munyangi est achevée depuis 2015. Pour avoir un impact sur la communauté scientifique, il faut qu'elle soit publiée dans un journal médical de référence. Or, les responsables éditoriaux sont méfiants à l'égard des remèdes à base de plantes. Nous avons contacté la Fédération internationale des fabricants de médicaments pour lui demander sa position sur l'Artemisia. Réponse: nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'intervenir dans votre documentaire. Nous n'avons pas trouvé d'expert disponible pour témoigner sur ce sujet. La santé, elle l'est aussi pour l'emploi. Ce sont des dizaines d'hommes et de femmes qui ont trouvé du travail dans un nouveau secteur. Ce qui fait le succès de l'Artemisia, c'est aussi son prix. Environ 5 fois moins cher que les médicaments recommandés. On en trouve déjà sur certains marchés. Avant, on achetait des médicaments de la pharmacie. Ça coûtait très cher. Ça... Et puis, quand il y avait le palais, quand il buvait ça, ça ne guérissait pas tellement là. Mais avec l'avenir de l'artisan, c'est moins cher et plus ça guérit vite. Je vous dirai tout de suite que moi-même, j'utilise cette plante en famille, hein, depuis des années déjà. Ça, c'est du point de vue personnel. Je l'ai conseillé à des collègues, des scientifiques, qui l'utilisent. Le professeur Diallo étudie l'Artemisia depuis 10 années dans son laboratoire de bactériologie-virologie à l'Université de Dakar. Depuis un certain moment, nous travaillons pour voir l'activité de l'Artemisia afra et nous pensons que c'est une piste qui est assez prometteuse. L'Afrique a besoin des insoumis, les insoumis de la recherche. Ce qui me passionne dans tout ça, c'est de ne pas voir mes frères africains décédés des pathologies qui peuvent trouver des solutions, que d'attendre toujours que les médicaments soient fabriqués en Europe et que les médicaments viennent de l'Inde. Nous pouvons nous-mêmes, ici sur place, trouver des solutions, guérir nos frères avec des plantes qui peuvent être cultivées sur place. Si la tisane d'Artemisia s'avère être l'ultime remède contre la malaria, on se demandera sans doute pourquoi tout ce temps perdu, toutes ces victimes, tout ce business. Voilà, vous avez suivi ce documentaire et chacun parmi vous peut faire ses conclusions, tirer ses conclusions. Mais qu'est-ce que je retiens dans ce documentaire? Je retiens une première chose qui est qu'il est clairement démontré dans ce documentaire que la fameuse communauté internationale dont on veut toujours appeler à l'aide est à l'origine de nos malheurs, car elle se fait du pognon sur nos cadavres, elle se fait du pognon sur nos martyrs, elle se fait du pognon sur notre souffrance. C'est une volonté clairement personnelle de la part de cette communauté internationale
de nous faire ou de nous voir souffrir. Plus nous souffrons, plus nous appelons à l'aide, plus nous sommes à leur disposition et de mieux ils continuent à nous écraser. C'est pour juste dire ceci. L'aide ne viendra jamais de la communauté internationale. L'aide ne viendra jamais de la France. L'aide ne viendra jamais des États-Unis. L'aide ne viendra jamais de la Chine. L'aide ne viendra jamais de la Russie. C'est nous-mêmes qui pourrions nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Il a dit, en fin de documentaire, il faudrait que les Africains comprennent que seuls nous-mêmes pouvons apporter des solutions à nos problèmes. Arrêtons d'être des scientifiques soumis, devenons des insoumis. Arrêtons d'être des Africains soumis, devenons des insoumis. Je tiens à féliciter la diaspora gabonaise, particulièrement la diaspora gabonaise. Merci pour avoir existé. Merci pour être là. Parce que après le commentaire fait à la rencontre des diasporas que Macron a eu à faire en France en présence du président du Ghana, dans laquelle n'a pas été conviée la diaspora gabonaise, qui a été définie comme étant cette diaspora qui n'a pas l'étoffe de représenter la diaspora de son pays, qui n'a pas la présence d'esprit du dialogue et du discours pour trouver des solutions pour l'Afrique. Elle n'a pas été conviée à cette rencontre. Je tiens à féliciter cette diaspora dont je fais part, si intégrante. Je tiens à féliciter toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui marchent depuis 3 ans sans cesse dans le chaud et le froid. Je tiens à les féliciter car cette dénomination qui a été faite de nous comme étant les personnes n'ayant pas, soi-disant, la compréhension assez ouverte et large à assister à ce que vous avez appelé la rencontre des diasporas qui n'était en fait qu'une nouvelle façon de zombifier ce que eux ils auront appelé l'élite, mais en fait des vendus. Les vendus de l'Afrique de demain. Et la diaspora gabonaise n'a pas été conviée à cette rencontre. Parce que nous avons décidé de ne plus être des soumis. Nous avons décidé d'être des insoumis. Insoumis pour notre terre. Insoumis pour notre pays. Insoumis pour notre nation. Insoumis pour notre vert, jaune, bleu. Nous avons été la seule diaspora qui n'a pas été conviée au cours de cette rencontre. Parce que depuis 3 ans, nous battons le feu, nous battons le froid, nous battons le béton et j'en passe le goudron. Et merci, je tiens vraiment à vous remercier pour ce résultat. Car vous allez voir que nous ne cherchons pas les grandes victoires. C'est la suite des petites victoires qui nous ont menés à atteindre et avoir cette place. Qui nous ont menés à devenir ces personnes. Qui nous a amené à être compris de cette manière. J'aimerais dire aux uns aux autres que ceux qui ont participé en envoyant leurs 5 euros, leurs 10 euros, leurs 50 euros, j'aimerais vous rappeler ceci. Vous faites partie prenante, partie intégrale de cette diaspora. Pour ceux qui ont envoyé des t-shirts, des chaussures, des aides, j'aimerais vous dire que vous êtes partie intégrale de cette diaspora. J'aimerais encore passer par cette occasion, remercier les personnes qui à Libreville se sont proposées d'aider la dame qui m'avait envoyé le message disant qu'elle et ses enfants avaient déjà fait des jours et des jours sans manger. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette femme. Et je tiens à vous dire qu'elle vous remercie du fond du cœur. Je n'ai pas besoin de citer qui nous a aidés, qui ont été participés à cela, comme je l'ai dit. Ma grand-mère me disait souvent, si tu veux aider une personne, apporte-lui ton aide dans la nuit. Pose-le devant sa porte afin qu'elle se dise le lendemain matin que chaque homme de son village peut être son bienfaiteur. Merci pour toutes les personnes qui ont participé pour cette femme. Merci pour ces personnes qui sont mobilisées pour elle. Merci beaucoup. Vous êtes partie intégrale dans cette diaspora. Une fois que cela a été dit,
J'aimerais revenir maintenant sur la deuxième vidéo que nous allons suivre pour rentrer dans le vif du sujet. Mais j'aimerais surtout qu'on garde à l'esprit la première vidéo. J'aimerais surtout qu'on garde à l'esprit la description de cette vidéo, de ce chercheur qui, après avoir trouvé la manière la plus simple, la plus évidente, la plus acquise, la plus présente de pouvoir apporter une solution durable et efficace à sa communauté, présentée à ceux qui se sont présentés depuis plus de 100 ans comme étant les personnes, les seules personnes aptes ou morales ou humaines à pouvoir nous apporter des solutions en Afrique, s'est avéré être en réalité ces personnes qui ont tout fait pour que nous soyons ce que nous sommes. Comment expliquer qu'un chercheur venu de son pays avec la solution, vous la proposez, vous le lui avez retiré, le projet, vous lui avez retiré, confisqué ses notes, confisqué son sa plante, mais en plus exclu de l'université. Ceci se passe en Europe, en France. L'AFP, soi-disant, déteste des centaines de milliards de francs CFA pour soi-disant apporter des solutions sur le domaine de la recherche, de l'éducation, de l'infrastructure en Afrique. C'est cette même France, avec son AFP, qui exclut un étudiant-chercheur qui a trouvé une solution justement pour sa communauté. Justement pour sa communauté. Tout simplement parce que c'est contre le business. Le business, mes frères. Il s'agit du business. Le Gabon, comme tous les pays d'Afrique, font partie des pays où l'Europe, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine viennent faire du business. Les Africains, nous ne sommes que des insectes autour d'une ruche. Parce que eux, ce qui leur importe, c'est le miel. Nos ressources, oui mes frères, représentent le miel que la France, que la Russie, que l'Europe, que l'Amérique, que la Chine, et j'en passe, viennent cultiver. Et nous ne sommes que des abeilles qu'on pompe, qu'on gaze. Voilà ce que nous représentons. Mais il y a une chose qui est assez particulière lorsque tu es une abeille. C'est que tu es un dard. Si nous étions aussi inoffensifs en tant qu'abeilles, ils ne se protégeraient pas des gants. Ça veut dire que nous avons quelque chose qui peut être nocif à ce système. Quelque chose qui peut être nocif à ces personnes, à ces organisations. C'est à nous de nous en servir pour défendre notre miel. C'est à nous de nous en servir pour défendre nos terres. Et cela ne passe nullement autre que par déjà la prise de conscience. La prise de conscience que nous sommes complémentaires en tant qu'Africains. Mais surtout nous sommes un en tant que Gabonais. C'est important de le comprendre. C'est très important de le comprendre. Sans plus tarder, nous allons regarder ensemble la deuxième vidéo. J'aimerais qu'on la regarde attentivement, cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous la regardiez et j'aimerais surtout que ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager ce live. Je sais qu'il se fait très tard. Partagez-le, il est très important. Il est vraiment très, très important. Sans plus tarder, on regarde ensemble la deuxième vidéo et on revient tout juste après. Merci. Oh,
Voilà. Déjà, j'aimerais encore demander à ceux qui se connaissent de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, il est très important. Et de me rassurer si le son est bon. Parce que ce que je vais dire, il faut que tout le monde entende. Voilà. Je m'appelle Eli Parfait. Je suis le fils de mon père et le fils de ma mère. Je suis Gabonais, de père et de mère. J'aime mon pays au point que je suis prêt à donner ma vie pour ce pays. Jamais je me laisserai corrompre ou compromettre pour rien au monde. Jamais je me laisserai acheter pour rien au monde. J'aime tellement la nation gabonaise que c'est l'histoire de mes ancêtres. C'est le sang de mon sang. C'est de là où je viens. Je ne suis pas turc, je ne suis pas français, je ne suis pas américain, je ne suis pas chinois. Mais je suis gabonais. Je suis du nord. Je suis fan de Yem et de Bitam. Et j'adore le Nyembwe, j'adore les feuilles de manioc et je mangerai n'importe quoi pour autant que ça sorte du Gabon. Je suis amoureux de mon pays. Je suis amoureux du vert jaune-bleu. Je suis du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je suis du centre du Gabon. Je me sens autant chez moi dans le nord que je me sens aussi chez moi dans le sud. Je me sens autant chez moi dans l'est comme je me sens aussi chez moi dans l'ouest. Je me sens autant chez moi dans le centre du Gabon. Parce que c'est ma patrie, c'est ma terre. Et c'est pour cette raison que je me bats. À tort ou à raison, je sais que mon combat apporte beaucoup pour ma communauté. Et rien ni personne ne pourra enlever cet amour que j'ai pour ma nation. Personne ne pourra enlever cela. Je préfère vivre de très peu, mais surtout d'être fier de l'où je viens. D'être fier de défendre les couleurs de mon pays. D'être fier de représenter l'éducation que j'ai reçue de mes parents. La première des choses que j'ai appris, c'est « Aime ta patrie comme tu t'aimes toi-même. Honore ton père et ta mère. Et respecte ton prochain. » C'est pour cela que je suis investi dans ce combat. Je le suis parce que je l'aime. J'aime le Gabon. Et lorsque je regarde ces images, j'aime encore plus le Gabon. Je n'arrive pas à avoir de la haine. Je n'arrive pas à avoir de l'amertume vis-à-vis de mes frères du Haut-Ogooué. Je n'arrive pas. Parce que ces images me prouvent et surtout m'encouragent surtout encore à continuer ce combat, à le faire encore plus fort, à le donner encore plus que j'ai donné aujourd'hui. Parce que je me constate par ces images combien de fois mes frères souffrent, combien de fois mes frères ont besoin de moi. Vous savez, l'esclavagisme intellectuel est une chose. Quand tu en es libéré, tu vois les choses autrement. Tu t'en sens vraiment libre. Et aujourd'hui, je suis libre. Et j'aimerais vraiment que mes frères du Haut-Ogooué le soient aussi un jour. C'est la raison pour laquelle je me bats. C'est la raison pour laquelle je suis toujours connecté pour apporter des solutions à mes frères. Pour apporter de l'espoir à mes frères. Pour me battre, pour leur orienter à devenir aussi libre intellectuellement comme je le suis. L'amour de notre pays. Il s'agit du Gabon, mes frères. Après vous avoir fait voir la toute première vidéo où il était clair, présenté comme étant le fait que la communauté internationale dont on attend tous l'aide pour la plupart, la communauté internationale dont on veut toujours prendre à témoin, était en fait celle-là même qui nous mettait dans cette situation. Le Gabon n'a jamais été une terre de peuplement. On l'avait dit à Léomba, lorsque Léomba faisait venir les Chinois au Gabon, je ne me rappelle pas en 1900 combien, pour voir quelles sont les cultures qui pouvaient être cultivées dans notre pays. De Gaulle avait sommé à Léomba d'arrêter ce projet, car il ne voulait pas que le Gabon s'investisse dans l'agriculture. Car l'agriculture était synonyme de peuplement. Il ne voulait pas cela, car le Gabon n'était pas une terre de peuplement, mais une terre d'exploitation. Vous comprenez? Le Gabon n'a jamais été une terre de peuplement, mais une terre d'exploitation. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce que nous sommes toujours à 1 million d'habitants, quand même au Cameroun à côté, on le sent à 20 millions, je crois même déjà à 25 millions.
Pourquoi nous sommes toujours à 1 million d'habitants alors qu'au Cameroun, on est à 25 millions? Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Au Congo, ils sont quasiment à 40 millions. Pourquoi nous, nous sommes restés à 1 million d'habitants? Vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez vraiment que c'est par hasard que nous sommes restés à ce nombre-là? Tout a été mis en place pour que la population du Gabon ne puisse pas augmenter. Le Gabon n'est pas censé peupler sa terre. Car la terre du Gabon est pour l'exploitation et non pour le peuple, pour être peuplé. Tout cela a été fait depuis l'avènement des indépendances. La communauté internationale avait décidé ainsi. Mais est-ce que ce qu'ils ont décidé doit être forcément ce qui doit y être? Non. Et pourquoi ce qu'ils ont décidé semble être ce qu'il doit être? C'est parce que certains Gabonais esclaves emprisonnés de leur chaîne mentale, telle que cette communauté altogovéenne, est cette communauté qui a été utilisée depuis toutes ces années comme étant le miroir de l'acceptation, le miroir de la collaboration, le miroir du oui aux colons français. On ne s'est jamais servi du peuple altogovéen pour quoi que ce soit d'autre que de valider, que de permettre, que de vendre. De vendre à la vue, de vendre à l'image, de vendre au nombre, de vendre aux chiffres, bien que faux, les réalités de notre pays. Comprenez par là que le Gabon dans son intégralité, aujourd'hui, c'est la Haute-Ogooué qui dit oui pour vous. Le Gabon dans son intégralité, c'est le Haute-Ogooué. Par ses images, par ses danses, par ses folklores, qui dit oui pour vous. Mais ce qui est paradoxal, ce que j'aurais aimé encore, c'est que cette communauté en profite réellement. Mais elle n'en profite pas. L'homme le plus riche du Gabon est issu du Haute-Ogooué. L'homme le plus pauvre et le plus misérable du Gabon est issu du Haute-Ogooué. C'est pour vous faire comprendre la réalité de notre combat, la réalité des faits en fait. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que ce peuple soit aussi inconscient? Non, ils ne sont pas inconscients. Ils sont pauvres. Ils ne sont pas inconscients. Ils sont enchaînés. Ils ne sont pas inconscients. On se sert d'eux pour ça. On leur fait croire que vous devriez vous contenter du fait que le chef de l'État est originaire de cette province. C'est un grand honneur d'être altogovéen, sachant que le chef d'État, il est Ali Bongo et qu'il est ressortissant de cette province. C'est un grand honneur d'être altogovéen et de comprendre que le chef d'État Omar Bongo est ressortissant de cette province. C'est un grand honneur de savoir que l'enfant adoptif d'Alianga est ressortissant de cette province. Contente-toi de dire dans les bars, contente-toi de raconter dans les buvettes que, ah, en tout cas, Alianga, c'est un enfant qui sort du Haute-Ogooué. Tu devrais te satisfaire de cela. Car, à part cela, rien d'autre ne se sera permis. On se satisfait juste du nom, de l'appartenance, du fanatisme, qui ne nous apporte rien. C'est ce qui se passe, mes frères. Quand j'ai vu cette vidéo, j'avais deux choses à dire. Soit je me disais, on coupe le Gabon du Haute-Ogooué, soit je prenais conscience et j'avais un langage beaucoup plus responsable. Ces images ne doivent pas vous briser. Ça doit plutôt vous emmener à comprendre combien de fois le combat dans lequel nous sommes investis est encore très long. Ça doit seulement vous emmener à comprendre combien de fois le combat dans lequel nous sommes investis est nécessaire. Ça doit vous emmener à comprendre
combien de fois le combat pour lequel nous sommes investis va nous coûter encore plus que nous avons donné aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Bertrand Zibi, Landry Amia Washington, Priva Ngomo, et j'en passe toutes les personnes aujourd'hui qui sont retenues parce que validées en image, validées en image par le Haut Ogooué, les personnes qui les ont mis dans cette situation pensent avoir ou semblent avoir le pouvoir. J'aimerais revenir encore sur cette réalité. Quand on regarde ces images, il s'agit des images des personnes altogovéennes venues soutenir la cruche. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'à la dernière élection, on nous parlait exactement de 250 000 individus. Nous savons tous que la population du Haut Ogooué n'a jamais dépassé les 50 000 individus. Tout le monde le sait. Ces images montrent-ils 250 000 individus? Non. Ils n'atteignent même pas les 20 000 âmes. Ça veut dire qu'en réalité, sur 1,8 million qui représente la population gabonaise officiellement, nous ne sommes même pas aux 4 tiers. Non, je ne vais pas dire. Non, nous ne sommes même pas aux... Nous ne sommes même pas à 10%. Nous ne sommes même pas à 15%, même pas à 20% de la population gabonaise ainsi représentée. J'aimerais dire aux uns aux autres ceci. Frère altogovéen, je n'ai rien contre les altogovéens parce que j'aime le Haut Ogooué. Je fréquente des altogovéens comme amis et j'ai un meilleur ami très proche qui est altogovéen. Et ce qui est intéressant à comprendre dans cette histoire, c'est que je considère que je suis plus chez moi le Haut Ogooué que je ne le suis d'Oyem, que de Bitam. Parce que c'est chez moi le Haut Ogooué. Et je pense, peut-être avec le temps, j'espère pouvoir avoir des terres dans le Haut Ogooué. J'espère peut-être mourir dans le Haut Ogooué. J'espère peut-être y vivre, car c'est chez moi. Quand je me bats, certes, je suis fan. Je ne me bats pas pour les fans. Je ne me bats pas pour les Niennes, les Eschira, les Nzebi et j'en passe. Je me bats pour le Gabon. Quand je parle du Gabonais lambda qui ne part pas à l'école, il ne s'agit pas du Gabonais fan. Mais il s'agit de tous les Gabonais. Il s'agit des altogovéens. Il s'agit de là où le besoin d'installer une école se fait ressentir. C'est pour cette raison que je me bats. Je ne me bats pas pour ma grand-mère Bitam ou Aouyem ou Amimvoul ou Amintik. Non, je me bats pour ma grand-mère dans le Haut Ogooué. Je me bats pour ma grand-mère dans Bongoville, dans les régions les plus reculées du Haut Ogooué où nous savons que les gens meurent de faim. C'est pour ces personnes-là que je me bats. Je me bats pour ces personnes qui, par cette vision, par cette visibilité, par cette présence dans cette vidéo, je comprends qu'ils sont restés esclaves, enchaînés dans leurs esprits. Je me bats pour ces personnes-là. Je me bats en fait pour que le lendemain soit meilleur à nos enfants. Je me bats pour que plus jamais nos enfants et nos femmes et nos pères et nos mères soient traités comme des simples poupées qui bougent les fesses parce qu'un colon blanc serait venu soi-disant leur balancer quelques bouts de tissu ou quelques morceaux de pain. Je me bats pour me réapproprier ma terre. Je ne suis pas esclave, je ne suis pas étranger, c'est la terre de mes ancêtres. Tout comme les Français revendiquent la terre de leurs ancêtres gaulois, moi je revendique la terre de mes ancêtres. Je revendique la terre de mes ancêtres. Qui a dit que l'Occident est nous? Qui a dit que l'Afrique appartenait à l'Occident? L'Afrique n'appartient pas à l'Occident. Qui a dit que les Occidentaux qui doivent décider à notre place? C'est faux. On nous conditionne dans un langage particulier. C'est pour nous enchaîner psychologiquement. Aujourd'hui, les eaux de l'Angounié sont polluées. Pourquoi? Parce que des hommes seront venus au Gabon pour exploiter nos ressources de manière anarchique. Détruire tout ce que nous avons de plus sincère, de plus sacré, et ensuite détruire tout et s'en aller. C'est pour notre or.
L'or qui n'a pas été exploité par nos arrière-grands-parents, mais qui a été laissé et préservé pour notre génération. Mais pas seulement pour la nôtre, mais surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Des hommes venus de la Chine, où ils ont laissé fils, père, mère en bonne santé, qui sont venus faire fortune au Gabon, ont décidé de faire fortune au détriment de tuer même ce qu'il y a de plus sacré dans nos terres. Et cela parce que le Gabon, pour ces personnes, n'est pas une terre de peuplement, mais plutôt une terre d'exploitation. C'est notre or, c'est notre manganèse, c'est notre uranium, c'est notre bois, c'est à nous. Ça nous appartient. Nous avons le droit de donner à qui on veut ou de ne pas donner à qui on veut. C'est à nous. Pourquoi est-ce que la Chine ne va pas exploiter le pétrole de la Russie ou le gaz de la Russie? Pourquoi est-ce que la France ne va pas exploiter le pétrole de la Russie ou le gaz de la Russie? Pourquoi la France ne va-t-il pas exploiter l'or ou le gaz de l'Amérique, des États-Unis? Parce que ça, le gaz de la Russie appartient aux Russes. Le pétrole de la Russie appartient aux Russes. Parce que le gaz des États-Unis ou l'or des États-Unis appartient aux Américains. Le pétrole sur les territoires américains appartient aux Américains. Ce qui est sous nos terres nous appartient. C'est à nous. Sentez-vous propriétaire de ça. Sentez-vous propriétaire de votre bois. Sentez-vous propriétaire de votre manganèse. Sentez-vous propriétaire de votre or. Sentez-vous propriétaire de tous les minéraux issus de votre terre. C'est à vous. Si c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a fait en sorte que vous soyez gabonais, soyez-en fiers et revendiquez-le à qui vous de droit. Je suis gabonais. C'est la terre de mes ancêtres. Je me bats pour ce que je suis. Je me bats pour là où je viens. Et personne ni rien au monde ne pourra me changer cela. Personne ni rien au monde pourra m'acheter pour ignorer cela. Il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir me faire oublier, ignorer, souiller la terre de mes ancêtres. Car c'est ce que je suis. Je ne suis pas Camerounais. Je ne suis pas Guinéen. Je ne suis pas Nigérien. Je ne suis pas Congolais. Je suis Gabonais. C'est Dieu qui a choisi ainsi. Dieu a dit non, écoute, parfait, tu seras Gabonais. Et tu te battras pour ta terre. Donc Dieu a fait une erreur? Non. Dieu n'a pas fait d'erreur. Il savait que ma place est au Gabon. Et je me bats pour ma place. Chacun d'entre nous doit se sentir ainsi, doit ressentir cela de sa poitrine. Lorsque je ouvre mon frigidaire et que je n'ai plus rien à manger, je me dis que c'est un jour où je peux dormir, mais demain j'en aurai. Je ne me dis pas que ça y est, le moment est venu d'aller me faire acheter, me faire vendre, parce que je vais rouler dans une voiture BMW, une Mercedes, et faire croire aux gens de la diaspora que j'ai réussi. Nous savons tous que tu vis chez ta sœur. Nous savons tous que c'est ta sœur qui te nourrit. Nous savons tous qu'à plus de 40 ans, 50 ans presque, tu es toujours enfant qui vit dans la maison de sa sœur. Tout le Gabon le sait. Tu n'es pas une référence. Par contre, si tu t'estimes gabonais, si tu penses que tu as que c'est la terre de tes ancêtres, tu te battras pour ça. Tu te lèverais pour ça. Tu donnerais ton sang pour ça. Mais si tu estimes que ce n'est pas la terre de tes ancêtres, tu resteras toujours moins que rien, car tu n'as pas de terre. Ali Bongo est mort. On l'a enterré où? Pas sur la terre de ses ancêtres. Ni au Gabon, ni au Biafra. Parce qu'il n'a pas de terre. Quand un homme n'a pas de terre, son âme va errer. Errer. Moi, j'ai une terre. Et je me bats pour ma terre.
et je mourrai sur ma terre. Je serai enterré à côté de mes ancêtres. Je me battrai pour que là où mes ancêtres ont été enterrés ne soit pas souillé. C'est ce que je suis. Je me bats pour cela. J'aimerais savoir pourquoi n'a-t-on pas découvert les pharaons d'Égypte aux États-Unis? Pourquoi n'a-t-on pas découvert les pharaons d'Égypte en Chine? On les a découverts en Égypte, dans la terre, sous la terre de leurs ancêtres. Vous devrez comprendre cela, peuple togovien. Le Gabon, c'est pour vous, c'est pour moi. Vous laissez acheter pour vendre les terres qui nous appartiennent à vous et à moi. Vous faites honte à vos ancêtres. Vous faites honte à vos ancêtres. Vous ne faites pas honte à moi, parfait. Car je suis libre. Libre de tout, de pensée, de croyance. Mais surtout libre de dire que j'aime mon pays. Que je suis fan, certes. Mais je suis d'abord à Togovéen. Si le Haut-Togo est du Gabon, je suis d'abord à Togovéen. Que je suis fan, certes. Je suis d'abord de Port-Gentil. Si Port-Gentil est gabonais, je suis d'abord de Port-Gentil. Je suis fan, c'est vrai. Mais je suis du sud du Gabon, du nord, de l'est et de l'ouest du Gabon. Je suis d'abord Pounou. Je suis d'abord Ndzebi. Je suis d'abord Kota, Teke, Eshira, Miene. C'est ce que je suis. Je suis d'abord Gabon. Parce que c'est la terre de mes ancêtres. C'est cette fierté. Quand tu as compris cela, tu as des ailes qui te poussent au dos. Je me sens libre. J'ai des ailes qui me poussent au dos. Aujourd'hui, si je prends une balle, je mourrai avec fierté. Car ce discours restera dans les annales, ça restera sur les réseaux sociaux. Jamais on n'oubliera que je l'aurais dit. Ça restera là. Mais de mourir comme un chien. Rappelez-vous de cet homme, comment il s'appelait, Hervé Ndon, qui a défendu Ali Bongo bec et ongle, qui est mort comme un indigène. La seule chose qu'on se souviendra de lui, c'est les injures qu'il profanait vis-à-vis des personnes qui voulaient l'emmener à prendre conscience. Mais la seule chose qu'on se rappellera de moi, c'est que je suis gabonais, certes, fan, certes, mais je suis d'abord Ndzebi. Je suis Kota. Je suis des Grands Lacs. Je suis de Lambaréné. Je suis de Mouila, de Makoku. Je suis du Gabon. Et je me bats pour ma nation. Je me bats pour les miens. Je me bats pour mes frères. Je me bats pour mes sœurs. Même s'ils ont tort, je ne les en voudrais pas. C'est mon sang. Est-ce que je vais jeter mon frère parce qu'il n'a pas compris? Est-ce que je vais jeter mon frère parce qu'il sent? Parce qu'il est esclave? Non. Je vais le garder avec moi parce que c'est mon frère. Je vais faire le bangam. Je vais faire le bangam. Parce qu'il est d'abord gabonais. S'il est camerounais, on pourra parler après. Mais comme il est gabonais, je vais d'abord défendre mon frère. Parce que c'est les miens. Le sang qui coule dans mes veines est le même qui coule dans le sien. Nous prêtons tous allégeance au vert, jaune, bleu. Nous sommes tous en dessous du blason de la République. Nous respectons tous notre père et notre mère. C'est ce que nous sommes. La même culture qui nous avait, que Dieu nous a donnée, que nos ancêtres, nos aïeux nous ont donnée, est la même culture que nous partageons. N'arrêtez pas de le dire à vos frères. N'arrêtez pas de le dire à vos sœurs. Nous sommes tous dans la diaspora, c'est vrai. Certains ont réussi, d'autres se cherchent. Aidez-vous entre vous. Rendons notre communauté encore plus forte qu'aujourd'hui. Macron ne nous a pas invités à son déjeuner de merde, mais nous en sommes fiers. Car il a donné les raisons. Il a dit que nous ne sommes pas assez éveillés pour discuter. Non, nous ne sommes pas assez éveillés pour marchander notre pays, pour brader notre pays. Car assez éveillé pour se battre et se défendre notre pays. Voilà pourquoi nous n'avons pas été conviés à cette rencontre de la diaspora. Et nous pouvons en être fiers. 3 ans, nous battons le bitume.
3 ans, nous les avons pourchassés comme des chiens et des rats. Nous avons interrompu les discours de Macron pendant sa campagne présidentielle et tous autant qu'ils sont, sans aucune crainte de quoi que ce soit. Et nous sommes toujours là. Nous sommes toujours présents, peut-être pas encore assez pour libérer notre pays, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous avons l'avenir devant nous. Nous avons l'espoir devant nous. Parce que nous avons l'amour de notre pays. L'amour du vert jaune bleu n'a aucune frontière dans le Gabon. J'ai envie de dire même à travers le monde, car nous sommes un exemple africain. Un exemple. Et vous pouvez en être fiers, mes frères. N'abandonnons pas notre nation. N'abandonnons pas nos frères, parce qu'ils ont fauté. Aidons-leur à comprendre. Apportons-leur l'espoir. Apportons-leur la lumière. Montrons-leur ce que c'est d'être un homme libre. Je suis un homme libre. Je n'ai rien dans les banques, dans mes poches, je n'ai rien, mais je suis libre. Je suis libre, pas encore condamné parce que je suis allé voler, mais libre et fier, car éduqué par mes parents, si tu n'as pas, tu restes comme ça et tu attends. Je suis libre. Libre de mes pensées, libre de dire ce que je veux. J'ai le nécessaire avec moi, j'ai internet, j'ai un téléphone, mais j'ai de l'air et des poumons, mais surtout, j'ai ma conscience en paix. Et cette paix dans la conscience là que je donne à mes frères, que je continuerai à envoyer, à divulguer, apprenons-leur, enseignons-leur ce que c'est la liberté, ce que c'est d'être un homme libre. Enseignons-leur, apportons-leur. La richesse n'est pas financière, n'est pas matérielle. C'est l'amour, c'est la liberté. Enseignons-leur cela. Car si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Car si nous ne le faisons pas, ce peuple sera perdu. Et si ce peuple se perd, pas parce que nous vivons en Angleterre, pas parce que nous vivons aux États-Unis, pas parce que nous vivons en Turquie ou en France, que nous serions épargnés. Si ce peuple se perd, si ce peuple se perd, nous perdons la terre de nos ancêtres. Si ce peuple se perd, nous perdons notre esprit. Si ce peuple se perd, notre esprit, notre âme va errer, car nous ne serons jamais enterrés sur la terre de nos ancêtres. Battons-nous pour ça. Arrêtons nos divisions qui n'ont pas de sens. Battons-nous pour ça. Nous sommes sur la vérité, la bonne voie. Macron ne va plus jamais inviter la diaspora gabonaise à aller brader son pays. Jamais. Macron savait que si un Gabonais se trouvait dans cette salle, on devait faire l'ancham. Il savait. Nous ne sommes plus des esclaves. Oui, ils utilisent des armes pour nous faire peur. Mais ils ont oublié une chose. À un moment donné, le bâton ne fait plus mal. Et ce moment arrive. Lorsque Privat Ngomo prenait son discours, faisait son discours devant l'ambassade française, qu'il a coupé la route, que la voiture de la police est passée derrière lui et qu'il continuait à se dire, qui continuait à lire son discours. Il lisait son discours en tant que fils de cette terre. L'ambassade de France au Gabon est sur notre terre. Et je fais ce que je veux, où je veux, tant que je suis sur ma terre. Il savait qu'après ça, on devait l'arrêter. Mais il l'a fait en tant qu'homme libre. Je suis un homme libre. Avant de partir, je le dis haut et fort. Devant leur terre, devant leur écran, devant leur caméra. Parce que je peux vous dire que toutes les caméras de l'ambassade de France étaient braquées. Toutes les caméras de surveillance de l'ambassade de France étaient braquées sur Privat Ngomo. Pendant qu'il lisait son discours. Que ceux qui ont mal à entendre ce discours, que ceux qui n'arrivent pas à reconnaître cette bravoure, qu'ils calent en l'air, on n'en a rien à foutre. Nous, on fait notre part
et nous sommes sur le bon chemin, sur le droit chemin. Que ceux qui n'arrivent pas à encourager cet élan de patriotisme, qu'ils calent en l'air. Nous, on continue, car les terres du Gabon sont les nôtres. Elles sont les nôtres. Soyez fiers de ce que vous êtes, mes frères. Marchez la tête haute. Quand moi je marche en Turquie, je mets mes lunettes, je marche la tête haute, car je suis fier que je viens d'une terre riche, certes, exploitée peut-être, mais libre demain. Quand je marche en tant qu'homme libre. Soyez fiers, mes frères. Soyez libres dans votre tête. Soyez libres dans votre tête. Aimez là où vous venez. Aimez qui vous êtes. N'ayez pas honte de parler franc dans le métro. Parlez Nzebi, parlez Kota si vous le voulez. Imposez-vous. Oui, c'est ce que vous êtes. Et soyez fiers, encore une fois de plus. C'était le message que je voulais vous faire passer ce soir. C'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. Aimez votre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez à qui vous voulez, peu importe qui il est. Si c'est Jean-Ping, vous le lui dites. Car il n'a pas plus de droits que vous. Il n'est pas plus gabonais que vous. S'il est né d'une mère gabonaise et que vous l'êtes aussi d'une mère gabonaise, il n'est pas plus gabonais que vous. Dites ce que vous voulez à qui vous voulez. Parce qu'ils ne sont pas plus gabonais que vous. Crachez sur qui vous voulez. Car ils n'ont pas plus de droits que vous. Soyez fiers de cela. Vous comprenez? Soyez fiers de cela. Je n'ai peur de personne. Car je sais que je suis aussi gabonais que ces personnes. Je suis issu du père et de la mère gabonaise. Dans ma terre. Sur ma terre. Et personne n'est au-dessus de moi. Personne. Si ce n'est que mon père et ma mère et le blason de la République avant d'arriver juste après Dieu. Après Dieu, c'est le blason de la République gabonaise. Après, c'est mon père et ma mère. Après ma mère là, et mon père, là, c'est moi. Il n'y a personne au-dessus de moi. Personne, autant qu'ils sont. Dites-le leur. N'ayez pas peur de le leur dire. Et faites-le leur savoir. Faites-le leur savoir. N'acceptez plus de faire des courbettes à qui que ce soit. Battez-vous en tant qu'homme libre pour votre terre. C'est votre terre. C'est chez vous. C'est la terre de vos ancêtres. Et personne ne pourra vous l'enlever. Personne. Que tu sois Fan, Nzebi, Pout, Kota, Pounou, Mienne, peu importe. Le Gabon, c'est pour toi. Aussi vrai qu'il est à moi. Et te laisse jamais piétiner par qui que ce soit. Pas parce qu'il t'a fait une courbette de quoi. Les promesses, on en a marre. On en a marre. Et je pense que lorsque nous allons commencer à voir cette attitude vis-à-vis de ces personnes, notre pays va changer. Nous avons dit merde à la France. Aujourd'hui, on ne nous convie plus. Nous avons dit merde à la France. Aujourd'hui, on n'appelle plus la diaspora gabonaise pour des bêtises. Il va falloir qu'on fasse encore plus que ça. Il va falloir qu'on fasse encore plus que ça. Les gars, la prison ne va plus faire peur à qui que ce soit. La prison ne fera plus peur à qui que ce soit. Sachez-le. Il va falloir leur faire savoir. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont été si nombreux de grâce de bien vouloir faire partager ce message à qui de droit et revendiquer votre état gabonais. Revendiquer qui vous êtes. Battez-vous pour votre terre. C'est votre terre. Ça vous appartient. Personne ne vous le prendra, viendra vous l'arracher. C'est à vous. C'est à vous. Les peuples qui attendent toujours que les dirigeants décident pour eux. Arrêtez. Arrêtez d'attendre.
que les dirigeants décident pour vous. Nous, on n'a pas attendu que l'on nous dise ce qu'on doit faire. On fait. Et à ce moment-là, on ne nous appelle plus pour des conférences à la con. Lorsque chaque peuple africain va commencer à se comporter ainsi, on ne pourra plus faire comme on fait aujourd'hui. Ils vont devoir nous écouter. J'aimerais surtout que vous vous rappelez du discours du président ghanéen. L'Afrique a les moyens de se prendre en charge. Les Gabonais ont les moyens de se prendre en charge. Que tout homme politique, que ce soit de l'opposition, surtout, arrêtez de vous substituer comme étant les voix soi-disant pénétrantes du peuple gabonais quand vous n'en aviez pas l'étoffe. Apprenez à reconnaître vos échecs et passons à autre chose. Orientez le peuple vers la libération de l'esprit, mais surtout dans la prise de conscience et l'amour de sa nation, de leur patrie. Apprenez à le dire au peuple. Rappelez au peuple sa valeur. Rappelez-leur qui ils sont, d'où ils viennent, de qui ils sont issus, quelle est leur histoire. Voilà ce dont ce peuple a besoin pour se lever. Voilà ce dont ce peuple a besoin de se lever. Ce peuple n'a pas besoin que l'on le lâche comme des chiens en chaleur. Allez-y, je ne vous retiens plus. Non. Tu nous as retenus pourtant avant. Rappelle-leur qui ils sont. Rappelez-leur qui ils sont, d'où ils viennent. Et vous, peuple gabonais, arrêtez de vous sentir obligé de servir, de courber les chines à des gens qui n'en valent pas la peine. Je ne courberai jamais les chines envers qui que ce soit. Parce que je ne peux courber les chines que sur deux personnes. Je suis avec deux. Dans ma vie là, il n'y a que deux. Deux personnes qui vont m'emmener à courber les chines. Deux. Ils sont encore en vie. C'est mon père et ma mère. Et le jour où les deux personnes partent, il n'y aura plus personne sur ces terres. Plus personne pourra m'emmener à courber les chines. Il n'y a que ces deux personnes là. À part ça, il n'y a personne d'autre. D'accord. Donc, merci pour ceux qui ont suivi ce live. Merci de bien vouloir le partager. Et je vous demande de parler ainsi à votre peuple. Car ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Voilà. Donc, on se sépare en musique et je vous demande de passer une excellente soirée. Voilà. On se dit... Paludisme, également appelé malaria, la maladie fait près de 500 000 morts par... S'il vous plaît. Voilà. On se dit ciao, au revoir. Des révélations. Des révélations ce soir pour vous, mesdames et messieurs. Oh, no, no.
Yeah.